Connaissez-vous le jeu Icebreaker? Sorti en 1995, initialement pour le 3DO, cette plateforme déchue qui s'est fait complètement massacrer par la PlayStation 1. Et la même année, ça a été adapté aussi pour Windows ainsi que pour Mac. Pour l'instant, je joue à la version Windows. Et il s'agit donc, en quelque sorte, comment on pourrait appeler ça? Un jeu d'action? Certes, un jeu de puzzle, un jeu peut-être même de stratégie. Dans tous les cas, on incarne une pyramide inversée puisque toutes les autres pyramides sont debout. Mais oui, notre pyramide est donc dotée d'intelligence et a la capacité de tirer des balles. Et notre but, c'est de complètement nettoyer la zone verte et vraiment faire attention de ne pas mourir comme de ce côté-ci, on vient de foncer dans cette pyramide. Pourtant, on a foncé depuis le début dans des pyramides bleues. C'est donc que chacune des pyramides, selon leur couleur, vont justement posséder leur propre faiblesse, leur propre façon d'être éliminée. Les bleus, si on leur tire dessus, ça ne donne absolument rien. Les rouges, si on leur fonce dessus, on va mourir. Donc la seule manière de les abattre, c'est en leur tirant dessus. Et là maintenant, il reste les vertes. Si on leur tire dessus, ça ne sert à rien. Si on leur fonce dessus, ça ne sert à rien. Mais cependant, de ce côté-ci, en s'approchant, on peut voir que cette autre pyramide mobile, lui, aura foncé dessus et elle se sera désintégrée. Donc on va attirer celui-ci à ce niveau. Et là, effectivement, il va être capable de vraiment nettoyer cette partie du front. Et là, on va se diriger vers le bas. Par le fait même, comme vous pouvez le constater, ces dites pyramides vont parfois changer de couleur. C'est donc que ça peut être dangereux puisque oui, si elle change de couleur pour le rouge au dernier instant et on leur fonce dessus, mais ce n'est vraiment pas idéal. Par contre, de ce côté-ci, ce tableau qu'on va être capable de passer, il s'agit seulement que du niveau 1. Il va donc y avoir d'innombrables autres niveaux. Il va y avoir aussi d'innombrables autres pyramides, tant des pyramides mobiles que des pyramides stationnaires. Comme ici, cette pyramide stationnaire va être en quelque sorte en pierre, va nécessiter plusieurs coups avant qu'on puisse l'abattre. Ou encore cette pyramide, une fois qu'on va l'avoir abattue, va créer en quelque sorte un immense trou. Trou que l'on peut utiliser pour abattre nos ennemis. Et d'autre part, il va y avoir notamment ces pyramides zombies qui vont sortir des marais, qui vont nécessiter aussi quelques coups. Hein. Comme un zombie, ils vont perdre leurs membres et éventuellement, ils vont se faire abattre. D'autre part, il va y avoir ces pyramides qui vont en quelque sorte se dédoubler puis se quadrupler. La version supérieure est la plus intelligente puisque si on l'attire en direction d'un trou, elle ne tombera pas à l'intérieur. Tandis qu'une fois qu'elles vont être séparées, eh bien, ces dernières vont perdre leur intelligence en quelque sorte. Et elles vont foncer dans les trous. Ici, il va y avoir ce tableau qui va créer la grande confusion puisque oui, il va y avoir une surface verte, deux types de surfaces vertes et une de ces surfaces va carrément nous engloutir. Il va y avoir aussi différents types de surfaces comme par exemple de ce côté-ci. Malgré le nom du jeu Icebreaker, on ne brise pas de glace, mais c'est en effet la seule apparition de la glace va être cette surface qui va nous faire carrément glisser qui peut être extrêmement dangereuse. Mais oui, globalement, ça va être un jeu très difficile. Ça prend beaucoup de patience pour pouvoir passer ce dernier. Par exemple, vous pouvez voir vous-même là, de ce côté-ci, il faut vraiment être très patient pour faire en sorte que, oui, ces ennemis abattent la totalité de ces pyramides vertes. D'autre part, sur les côtés, il va y avoir ces pyramides de pierre qui vont être extrêmement longues à abattre. Et là, éventuellement, quand même, à la moindre erreur, on n'a seulement qu'une vie. Hein. Donc, il ne pourrait rester qu'une seule pyramide à la fin. Si on se fait abattre, il faut qu'on recommence au début. Une fois qu'on a abattu toutes les pyramides d'un niveau, justement, il faut abattre ce qui s'appelle les Seekers. C'est donc les pyramides mobiles, les pyramides vivantes en quelque sorte. Chacune de ces pyramides vont avoir leurs propres animations, comme celle-ci va exploser un peu comme un ballon. Celles-ci vont prendre en feu. Donc oui, ce jeu est très original. Pourrait faire un excellent jeu, par exemple, un jeu mobile. Là. Honnêtement, je crois que ça pourrait carrément fonctionner. Mais cependant, il est sorti au mauvais moment sur la mauvaise plateforme. C'est donc la plateforme, comme mentionné, 3DO, qui n'a jamais vraiment bien fonctionné en raison du succès écrasant de la PlayStation. Mais malgré tout, personnellement, sur PC, quand j'étais jeune, j'ai quand même bien aimé jouer au Shareware. C'est donc la version démo, en quelque sorte. Là, il y a énormément de niveaux, comme vous pouvez le constater. C'est 150 en tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que dès la première partie, on peut jouer carrément à n'importe quel niveau. C'est donc si on veut enfiler du côté du 150e niveau, il n'y a aucun problème. Cependant, c'est extrêmement difficile. Ça nécessite beaucoup de patience. Et oui, malgré son échec commercial, personnellement, j'ai toujours trouvé que ce dernier
dernier était un excellent petit jeu de puzzle, un excellent jeu d'action par le fait même. C'est donc pour cette raison que je tenais à vous le partager aujourd'hui là, via cette petite vidéo de Bats Retro Gaming. Si vous souhaitez connaître d'autres petits jeux, je vous invite à cliquer dès maintenant sur l'écran. J'ai quand même fait au moins 6 ou 7 autres présentations de jeux rétro. Généralement, j'ai des bons retours, quoique il y a moins de personnes qui visionnent ces derniers, mais accédez dès maintenant à la playlist. C'est vraiment de petites gemmes, parfois méconnues, que je tente de vous partager. Or, plongez-vous à l'intérieur de cette playlist. Connaissiez-vous, pour votre part, Icebreaker? Or, ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà!